L'insécurité causée par le AM23 ne peut occasionner la délocalisation du site d'accueil du pape François au Nord-Kivu. Propos de l'évêque du diocèse de Goma, Monseigneur Willy Ngumbi, au cours d'une communication à la presse ce mardi. Pour lui, le pape vient pour une mission pastorale et non politique. Vous savez, la visite du pape est d'abord un événement spirituel. Beaucoup de gens voient dans ça un événement politique. Ce n'est pas d'abord un événement politique, la visite du Saint-Père. C'est d'abord un événement spirituel. C'est une visite apostolique, une visite pastorale. Donc la première préparation pour les chrétiens, c'est la prière. Donc je ne vois vraiment pas pour quelles raisons on pourrait envisager de localiser cet événement. D'autant plus que ce n'est pas parce qu'il y a l'insécurité, qu'il y a la souffrance, que le pape ne pourra pas venir. Le pape vient justement parce qu'il sait qu'au Congo, nous avons ce problème d'insécurité. Nous avons la souffrance, nous avons des déplacés, comme il y en a eu encore dernièrement à Kibumba. Donc ça le motive encore davantage de pouvoir rencontrer ce peuple du Nord Kivu, le peuple de Goma, qui souffre. Donc ce n'est pas, je ne crois pas que cela peut être une raison pour délocaliser l'événement. Et que pour nous surtout, que cela soit vraiment une opportunité que nous puissions saisir pour nous remettre chacun en cause et se dire, qu'est-ce que je dois faire pour que ce cycle de violence, vous savez, ça fait plus ou moins une trentaine d'années que nous sommes dans la violence dans cette région, que dois-je faire pour que cela cesse, pour que la paix revienne, pour que nous puissions retrouver la confiance mutuelle. Un élément important, que le pape, nous l'accueillerons encore mieux s'il nous trouve vraiment dans la communion, dans l'unité, dans la fraternité. Que quand il vient, qu'il n'entende pas comme ce qu'on entend hier encore, qu'il y a eu des affrontements du côté de Runyoni. On ne doit pas entendre ça quand on attend le Saint-Père.